D'abord, avant de parler de Magali Pélissier, je dois commencer par remercier Grâce Production et Ma Vie, Mon Combat. Au fait, Magali Pélissier est un personnage privé. Le personnage public, c'est bien Gali. Parce que c'est sur ce nom que j'écris, que je peins depuis plus de 16 ans. Magali Pélissier, au fait, est gestionnaire. Parce que j'ai étudié en Espagne, à la faculté de Séville. Mais quand je suis revenue au pays, je me suis dédiée à l'écriture et à la peinture parallèlement pendant que je travaillais. Donc j'ai écrit des livres, Dis-moi comment recevoir. C'est à partir de ces livres que, au fait, je me suis fait connaître. Mais indépendamment de mon travail, comme je dis, je cultivais d'autres vibrations. Des années plus tard, après avoir écrit, je me suis dit non, je ne peux pas continuer sans me lancer dans une autre chose qui est chère à moi-même, c'est la peinture. Et c'est comme ça que j'ai cessé d'écrire pendant un moment pour me dédier à fond à la peinture, parce qu'on ne peut pas courir deux poules à la fois. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première exposition en Haïti et suivi d'autres. Et puis après, j'ai été exposée en France. Et je pense en deux fois. Et j'ai participé à d'autres expositions en Pennsylvanie, mais toujours ce sont des mailing exhibits. Donc, je n'étais pas vraiment présente. Donc, en gros, c'est ce que je fais. Bon, les 16 ans d'écriture, je peux dire, j'ai commencé d'abord à écrire dans le journal le matin. C'est là que, au fait, que j'ai pris naissance. J'écrivais une rubrique qui s'appelait « Dis-moi comment ». Et je me suis fait connaître à travers cette rubrique. Et deux ans plus tard, j'ai participé à Livre en folie. Et j'ai été best-seller. Et c'est comme ça que le public a commencé à me connaître. Et l'année prochaine, j'ai présenté le deuxième tome de la série « Dis-moi comment ». On se voit qui a aussi été best-seller. Et c'est comme ça j'ai présenté aussi un troisième tome, je pense, deux ans plus tard, qui a été aussi best-seller à Livre en folie. Et c'est comme ça qu'on a commencé à m'appeler l'auteur à succès. Bon, c'est un titre que je prends très humblement parce que si les livres sont best-sellers et qu'on m'appelle l'auteur à succès, je n'ai rien contre. Donc, mais pour moi, je n'ai jamais vraiment travaillé sur le succès. Le succès pour moi, c'est quelque chose qui peut venir après. C'est le travail qui m'importe. Et c'est le travail qui donne le succès après. Donc, ce que je peux dire, j'ai continué à écrire. La série a actuellement 6 tomes et je travaille sur un 7e. Mais parallèlement, j'écris aussi des romans. Et j'ai écrit La Mère Patrie Chérie, qui est un recueil de nouvelles. J'ai écrit Les Infidèles et j'ai écrit aussi Les Limites de l'Infini. Donc, au fait, ma collection, ma bibliothèque a actuellement 9 livres. Et parallèlement, comme je vous dis, je travaille la peinture et de 8h à 3h, je bosse dans mon travail. Au fait, là, je vais un petit peu parler de Raquel Pélissier parce que c'est ma fille et elle a été première dauphine à Miss Univers et c'est comme ça qu'on a mis sur place un projet qui me tenait à cœur. Depuis ma tendre jeunesse, je voulais mettre une activité humanitaire qui devrait s'appeler Fondation Raquel Pélissier, mais je n'ai jamais pu le faire. Entre mariage, maison, livres et peinture, manifestations en Haïti et la vie politique qui vous bouleverse. Donc, je n'ai jamais pu. Mais quand Raquel est devenue première dauphine, elle m'a dit non, on doit mettre sur pied. Et c'est comme ça qu'on a créé une fondation qui s'appelle Kids of Haiti, Fondation Pélissier. Et je peux dire, dans la première, comment dit-on ça? Dans notre première activité, on a envoyé 900 enfants à l'école. Un petit peu dans le sud, dans la Grand'Anse, je pense, parce que Raquel voyageait souvent pour aller apporter des kits scolaires. Mais depuis la grande période insécuritaire, nous avons cessé parce que Raquel, d'abord, n'est pas rentrée en Haïti et moi non plus, je ne peux pas aller en province
continuer. Donc, pour le moment, les enfants souffrent, mais on espère qu'un jour, que la situation va changer et que l'activité puisse recommencer. Parce qu'il est important que les enfants aillent à l'école, parce que la connaissance, c'est l'une des lumières du monde. Valeur, c'est d'abord l'honnêteté. Conviction, c'est la force au travail. Le doute ne fait pas partie de mes prérequis. Parce qu'une fois qu'on met le doute sur son chemin, automatiquement, on va cultiver une vibration qu'on appelle la peur. Et la peur va vous empêcher de grandir. Donc, mes valeurs, c'est l'honnêteté qui donne la puissance pour pouvoir accomplir tout ce que l'on veut faire. Et avec la lumière du Très-Haut, on est supposé pouvoir travailler, se fixer des objectifs et des objectifs atteindre son but. Bon, moi, je pense que non. J'aurais aimé faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Mais pour le moment, je me limite à l'écriture, à la peinture, à la fondation que nous avons créée, ma fille et moi. Mais qui sait, si un jour on veut faire d'autres choses, j'ai encore des projets que je ne dévoile pas. Mais ces projets-là, ce sont des projets qui demandent beaucoup de débours. Et dans un pays comme Haïti, je ne peux pas m'aventurer pour le moment. Il faut que j'attende un petit peu le bout du tunnel, de voir un peu la lumière et pour voir exactement si ces projets, parce que ce sont des projets qui doivent et qui peuvent correspondre et qui doivent correspondre à la société haïtienne, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais pour le moment, je suis au ralenti, je peux dire. Mais j'espère que les forces de l'univers me donneront le courage pour pouvoir les accomplir avant mon dernier voyage. Au fait, j'ai été étonnée parce que je regardais Facebook quand brusquement j'ai vu. Et un ami me l'avait souligné aussi quelques heures plus tard. J'ai été très contente. Ébahie même parce que qui suis-je? Une parcelle de l'univers et on me choisit dans un groupe. Je prends ça toujours comme un honneur. Et ce grand honneur-là, je profite pour remercier Grace Production et Ma Vie, Mon Combat. Mais je comprends aussi parce que Ma Vie, Mon Combat, la personne qui a lancé Ma Vie, Mon Combat, c'est Madame Bénédicte Fiacre. Et c'est une personne qui est, au fait, le titre n'a pas été choisi au hasard. C'est une personne qui lutte et qui combat. Donc ce titre-là, c'est extraordinaire. Et je la remercie de m'avoir choisi. Et je remercie surtout l'univers parce qu'on n'a pas choisi Magali Pélissier. On a choisi le travail qui a conduit à Gali, qui n'est rien d'autre que Magali Pélissier. Une parole de motivation pour une femme qui se cherche dans la vie, indépendamment de me suivre. Je vais dire que on doit se fixer des objectifs. On ne peut pas être dans cette vie et rouler comme Pierre qui n'amasse pas mousse. Si on ne se fixe pas des objectifs, on peut dire qu'on a une vie ratée. Donc, on doit se fixer des objectifs, atteindre des buts. Il faut avoir des projets. Donc, le mot projet doit être capital dans la vie d'une femme et d'un homme. Et nous devons inculquer ces valeurs à nos enfants qui seront la progéniture pour que, au fait, si Haïti est en train de sombrer, c'est parce qu'il y a un manque de valeurs. Donc, nous devons surtout cultiver des valeurs. Les valeurs, c'est le travail, c'est l'honnêteté, pour ne citer que ces deux-là. C'est le bon comportement. C'est sur ça que je travaille. Les 10 mois comment recevoir, ce sont des livres sur le protocole et l'étiquette, le bon comportement. Et j'ai toujours travaillé, même quand le mot n'était pas encore à la mode,
dans mes premières, comment dit-on ça, dans mes premières interviews, j'ai toujours parlé d'exclusion. Parce que ces livres, ce n'est pas pour faire du snobisme, pour montrer que l'on connaît, parce que je suis dans le protocole. Ce sont des livres contre l'exclusion, ce qui revient à dire si tout le monde est à niveau dans une société, on aura une société meilleure. Et c'est ma priorité dans cette société-là. Donc, dans ce sens, je fais du bénévolat aussi, je donne des cours à la faculté de médecine et de pharmacie, je forme des médecins, je fais des séminaires dans les grandes entreprises. Tout cela, c'est pour une mise à niveau. Si on ne travaille pas sur une mise à niveau, on aura un nivellement par le bas. Et c'est le nivellement par le bas qui fait que nous avons une société en déchéance. Merci.